Cet homme s'appelle Bruno. Il a 44 ans, il est le fils de Jacques Mérine. 30 ans après, il revient sur les lieux de la mort de son père. C'est le même parcours qu'a fait mon père, voilà. Donc il arrivait en voiture comme ça, et il arrivait comme nous, on va arriver sur la place de la Porte de Clignancourt. En voiture, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, je crois. De reprendre le même parcours que l'un l'autre. On se retrouve exactement comme quoi, tout est écrit. Voilà, et lui, il arrive ici, et le camion, là, se rabat devant lui, là. Et ça tire comme des fous. Des rafales de mitraillettes partent de l'arrière de la première camionnette. Jacques Mérine s'écroule mort sur son volant, sans avoir eu le temps de découpiller les grenades qu'il portait sur lui. À l'époque, Bruno a 15 ans, il découvre les images à la télévision. Ah ben surtout à l'âge de 15 ans, c'était très violent déjà. Encore à mon âge aujourd'hui, je les trouve toujours aussi violentes. Mais à cet âge-là, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, hein, d'une manière ou d'une autre. Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, condamné pour violence et pour de multiples braquages, les armes à la main, avait déjà été arrêté plusieurs fois par la police. À chaque fois que mon père a été arrêté, ça s'est toujours passé dans des manières normales, quoi, même pas normales, plutôt sympathiques. Hein, que pratiquement à chaque fois, il a offert le champagne aux policiers, donc on est quand même loin d'un gars qui est prêt à tirer sur tout le monde. Et la version policière, ça serait vraiment qu'il était prêt à découper ses grenades en plein milieu d'une place publique et de balancer ça sur la foule. Là, il faut vraiment rêver, là. Une mort qui va partager l'opinion publique. Pour les policiers et la justice, c'est un acte de légitime défense. Pour Bruno, c'est une exécution. C'est aussi le début d'un long combat qu'il mène pour rétablir sa vérité sur la mort de son père. Moi, j'ai l'impression qu'il m'habite encore aujourd'hui, je dirais. Ça, c'est une sensation assez bizarre. C'est comme si, quand mourant, il m'avait laissé une espèce de testament organique. Dans un sens où je suis peut-être plus là, mais il y aura toujours mon fils qui sera toujours là pour parler de moi, pour essayer de parler de la vérité. C'est tout seul que Bruno construira sa vie d'adulte. D'abord militaire, puis pilote d'hélicoptère. Il est aujourd'hui, et depuis 20 ans, magicien professionnel. J'ai commencé la magie à l'âge de 8 ans, en fait. Et ça m'a passionné dès les premières secondes. Et pourquoi la magie? C'est que ça, je passe du temps à faire rêver les gens. Et comme dans ma jeunesse, j'ai pas eu beaucoup de rêves, mais ça me permet un petit peu de me rattraper. C'est-à-dire que je rêve à faire rêver les gens. C'est à Clichy-la-Garenne, aux portes de Paris, que l'histoire des Mérines commence. On est avenue Anatole France, là où la famille Mérine avait son appartement de résidence principale. C'est juste derrière moi, là, on était au deuxième étage, là les fenêtres qui donnent sur la rue. Et donc c'était je dirais l'appartement familial où a grandi mon père étant petit, plus longtemps que moi en proportion. Lui, il n'avait pas un père qui était gangster, donc il a une vie un peu plus stable, quelque part. Et donc, on vivait là. Donc, on voit le deuxième étage, là, donc c'était pas très grand, pas très très grand. Hein. On est loin d'un appartement bourgeois, que mon père n'a jamais eu sa chambre, ni moi non plus, d'ailleurs. Je dormais dans la même chambre qu'avec ma grand-mère. Comme son père, Bruno a grandi dans cet appartement. Pour le protéger, sa grand-mère lui dit que son père est mort dans un accident de voiture. Mais à l'âge de 10 ans, Bruno est intrigué par les nombreux courriers que sa grande sœur reçoit régulièrement. Un jour, il vole une de ses lettres qui n'est pas encore ouverte. Je récupère un fer à repasser et je décolle l'enveloppe minutieusement. C'était un de mes premiers tours de magie. Et je lis le courrier, et le courrier il se termine par « ton papa qui t'aime ». Et là, flash aux toilettes, « ton papa qui t'aime, tiens ». Si c'est adressé à ma sœur, c'est qu'automatiquement c'est mon père. Bruno annonce sa découverte à sa grand-mère. Tout le monde est devenu blanc dans la cuisine, sauf moi. J'avais plutôt le sourire. Et ma grand-mère m'a dit assieds-toi et elle a commencé à m'expliquer. Il n'a rien fait de terrible, il attaque les banques et il s'est évadé et voilà pourquoi qu'il est en prison. Et moi, trois minutes après qu'elle m'explique un peu la situation, le premier mot que je lui ai dit, je veux le voir.
C'est donc à la prison de la Santé à Paris, en compagnie de sa grand-mère, que pour la première fois, Bruno va découvrir son père. J'attends dans la petite cabine, donc c'est une espèce de petite cabine séparée avec des vitres blindées. J'entends mon père gueuler derrière les murs, en engueulant un maton, en disant « Dépêche-toi un peu, j'ai rendez-vous avec mon fils. J'étais en plein milieu du parloir, tout fier, en train de l'attendre. Je me suis mis après littéralement de profil contre le mur en me planquant, pour essayer de disparaître plus ou moins. Parce que tout d'un coup, j'avais la trouille. J'étais très très fier au départ, très sûr de moi. Et très rapidement, j'ai eu vraiment la trouille de le revoir. Quoi. Et mon père entre dans le parloir. Il voit presque personne, parce qu'on me voyait quand même, mais on voyait plus grand-chose de moi. Et il s'assoit et il dit « Tiens, c'est bizarre, je pensais que j'avais rendez-vous avec mon fils aujourd'hui, mais bon, a priori, il n'est pas venu. » Et moi, je reprends le sourire, je me mets au milieu des vitres, et la conversation commence, et il m'a dit « T'es beau. » Ouais. Il m'a dit « Qu'est-ce qu'il est beau, mon fils ?» Je fais « Oh. » Bruno reviendra une centaine de fois au parloir de la Santé, jusqu'au jour où François Besse et son père s'évadent de façon spectaculaire. Quand il s'est évadé, c'est juste à cet angle-là. Voilà, juste l'angle-là. Là où il y a un angle mort, en fait, ils ont sauté là. Et c'est là qu'ils ont intercepté une voiture et qu'ils sont partis en voiture, en fait. En fait, c'est une voiture qui devait venir les chercher et la voiture s'est retrouvée coincée dans les embouteillages. Et comme les gardiens qui surveillaient la prison leur ont tiré dessus, mais ils ont pris une voiture à la volée, quoi. Pendant 5 ans, Mérine est en cavale, il ne verra jamais son fils. Bruno a donc très peu connu son père. Un manque qu'il essaye de combler aujourd'hui encore. Donc j'étais venu voir, surtout pour me rendre compte, en fait, où il vivait. Une espèce de truc de le ressentir un petit peu plus proche de moi, parce que comme dirait l'autre, j'ai pas eu le temps de le voir beaucoup, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la morgue, malheureusement. Alors là, ça me permettait de me rendre compte où était son endroit, où il avait laissé une dernière trace de son âme. 35 rue Béliard, dans le 18e arrondissement de Paris, c'est la dernière planque de Jacques Mérine. 5 minutes après être sorti de cet appartement, il est abattu par les policiers. C'est un endroit qui reste émouvant. C'est très très émouvant. Émouvant. Oui. Ouais, ça me donnera toujours des frissons de savoir qu'il était là et qu'il était comme monsieur tout le monde, d'ailleurs comme les gens disaient sur lui. Hein. D'ailleurs, il s'appelait Toul. Et lui, il avait choisi Toul comme tout le monde, quoi, en fait. Donc ça était encore son côté d'humour. Et on voit bien qu'il vivait comme quelqu'un de normal, non pas quelqu'un de caché. Il était presque heureux. Hein. Presque heureux comme Bruno qui, depuis 30 ans, livre un combat contre la justice. Avec Maître Malinbaume qui défendait déjà Jacques Mérine, il veut prouver qu'on n'a pas donné à son père la possibilité de se rendre. 21 ans de procédure, 2 procès contre l'État, 2 échecs. Pour la justice française, Jacques Mérine n'a pas été exécuté. Mais Bruno veut aller jusqu'au bout. Pour lui, c'est une question de principe. C'est pas une histoire d'argent comme certains pourraient croire. Vu qu'il n'y a pas d'argent qui est demandé, il n'y a rien du tout. C'est juste de reconnaître tout simplement que mon père a été assassiné et c'est tout. Quoi. C'est quand même pas grand-chose que ce que la justice aurait pu reconnaître en fait depuis des années. Dans notre système, la justice reconnaît très rarement ses erreurs. Ouais. Maintenant, si la Cour européenne des droits de l'homme pouvait au moins poser des légitimes interrogations sur la procédure, Ça serait un joli point final. On n'aurait pas gagné nationalement, mais au niveau de l'Europe, c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour compenser l'absence de père pendant sa jeunesse, aujourd'hui, Bruno refuse de l'oublier. J'ai l'impression qu'il est venu me voir peu de temps après sa mort dans mes rêves et qu'il a dit « Je compte sur toi et m'oublie pas ». D'ailleurs, c'est ce qu'il met dans sa cassette testament. Je ne suis pas mort dès l'instant où quelqu'un pense toujours à moi. Et je rentre dans cette même logique. Tant qu'il y aura toujours des gens qui penseront à lui, ben, il sera toujours en vie, quoi. Mon père sera mort le jour que plus personne pensera à lui. Et pour moi, personnellement, on n'est pas encore arrivé à ce jour-là. Ouais.